Oh, ça y est, il est grand temps de conclure ce jeu Avengers, ce jeu qui n'existe plus pour le Wakanda. Et oui, parce qu'il ne reste plus qu'à faire le DLC de Black Panthers, hein, le DLC du Wakanda, et après, c'est terminé. Mais comme d'habitude, on va commencer par la fashionista, vous permettez? J'ai quand même dû relancer le stream trois fois. Faudrait bien que ça bouge de façon fluide. Ça a l'air d'aller en vrai. En vrai, ça va. Bon, ça va parce que là, sur le retour, ça va enfin. Parce que des fois, ils bloquent le retour, mais sur un autre retour, ça va. Enfin, bref, c'est technique. Ah, bah on est. Pourquoi est-ce qu'on est le Silver Surfer? Pourquoi est-ce qu'on est Bucky? Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, vérification de sécurité terminée. Voilà. Bah tiens, bah tant qu'on y est, on va voir un peu ce qu'il a à offrir comme costume. Dans le fond, on ne l'a pas vérifié ce gars-là. Bah, il a pas grand-chose. Il a pas de costume de Captain America. Parce que Bucky a été Captain America à un moment donné. Il a un costume. Il a des costumes de Buzz l'éclair. C'est marrant, ça me fait penser au film Abyss de James Cameron. Ça. Ça, c'est sa tenue classique des comics, c'est cool. Parce qu'au départ, c'est un peu en quelque sorte le Robin de Captain America. Dans le film, lui, on avait fait ce costume-là qui est clairement une inspiration de son costume classique sans le Max, bah, en gros. Ouais. Voilà les tenues du film, The Winter Soldier, plutôt stylé. Avec lunettes, sans lunettes, c'est. Sans max total. Ouais. Il a évidemment cette tenue du Wakanda, plus ou moins, mais. Ah bah écoutez. C'est pas les steaks, et tout ça sans. Nous, ce qu'on veut, c'est changer les vrais. Et là, n'oubliez pas qu'on part pour le Wakanda. On verra peut-être pas les autres héros, mais on va quand même voir un peu ce qu'ils ont à offrir. Alors. Alors, comme on part au Wakanda, je propose Captain America. Tu débarques là-bas dans ta tenue classique, de chez classique, là même plus que classique, ce sera parfait. Alors, Iron Man. Iron Man, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, alors t'es très bien comme ça, mais comment on va au Wakanda? Je pense que tu devrais porter.
Alors. Je jette un coup d'œil de ce qu'il y a. Un stylet comme ça. Ah, l'armure de War Machine, elle est à débloquer. Dommage, hein, je pense que si les gens de Wakanda auraient cru que tu es War Machine, je pense que tu aurais été mieux accepté. Du coup, celle-ci, elle est. C'est particulière, mais stylée. Ah, écoute, ça sera très bien à mon avis. Voilà. Les couleurs du Wakanda, c'est parfait. Va t'aider à te faire accepter ça. Pourquoi il n'y a plus rien qui s'affiche? Merci. Kamala Khan, on la laisse comme ça. Hulk. Alors, Hulk, on loue Rambo à pantoufles, c'est pas mal. Ah, voilà, ça c'est parfait. Voilà, comme ça, je pense que tu vas être. Il va peut-être même passer inaperçu. C'est horrible. Enfin, le Hulk, Zapper, je pense que c'est ce qu'il lui faut pour aller en Afrique. Hein. Alors, Thor et Thorette, on va les laisser comme ça. Hawkeye et Hawkeye Girl, on va les laisser comme ça. Kamala, Miss Marvel, je lui laisse la tenue là. Hein. C'est ma préférée qu'elle a. Black Widow, on va voir un peu ce que tu peux nous offrir. Alors Black Widow, comment on va t'habiller? Ah mais oui, bien sûr, parfait. Voilà, parfait, après tout. Le Wakanda, c'est un pays chaud. Je serai certainement plus à l'aise comme ça. Sérieusement. Allez, retour au menu principal. Voilà, tout le monde est prêt, regardez, ils ressemblent à rien, mais ok. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, voilà, allons-y. On va voir un peu ce que ça donne. Qui sait, ça sera peut-être un DLC un peu plus intéressant que Bishop et Hawkeye. Veuillez accorder un instant à un vieux sorcier, mon roi. Votre père m'accordait tout son respect, Oui, ainsi que le Rafiki. père de votre père.
Il y a longtemps, un météore s'est écrasé sur la terre du Wakanda. Le Wakanda était alors une nation peu avancée, constituée de quelques tribus en guerre. Le météore les a rapprochés, car il contenait le métal que nous appelons aujourd'hui Vibranium. Le Vibranium a forgé le Wakanda. Il nous a fait progresser, nous avons repoussé les assaillants, nous avons renoué avec notre passé et notre dieu Panthère. Vous avez défié votre oncle pour devenir Black Panther. Ah bon? Mais vous êtes né pour être roi. Il est rare d'être les deux et ouais, d'avoir est, la bénédiction de Bastet lorsque cela se produit. Vous avez fait un choix difficile, fermer les frontières du Wakanda quand vous avez cru votre ami mort. Je ne vous en tiens pas rancune, ouais, mais cette nouvelle menace est différente. Vous ne savez pas de quoi ces gens sont capables pour s'emparer de ce qu'ils convoitent. Ulysse Klaue a semé la corruption sur son chemin. Elle se nourrit du vibranium qui fait battre le cœur du Wakanda. Et cette corruption ne fait que s'étendre. Un seul homme peut désormais la vaincre. Vous. Ok, bah parfait. Expand mission. Le gars, c'est vraiment un DLC des paysans comparé à d'habitude. C'est bon? Oui. Je pose la prochaine charge. Que je vois. Et non, j'espère que c'est pas Batman hein, parce que on a pas les droits. Hein? Est-ce que tu es dans un joueur Arkham? Oh, c'est une panthère avec une assez drôle de texture. Avant toute chose, est-ce que vous êtes Batman? J'espère que non, parce que... Tu l'as laissé partir, roi bien-aimé? Oui, Okoye. Pour l'instant. Ne risque-t-il pas de prévenir les autres? Mais ils resteront en position de faiblesse. Il me mènera à ses amis, puis à leur chef, Klaue. Bon bah on y est, on joue T'Challa, hein. Je suis content de l'avoir en vie pour le coup. Alors le costume est assez intéressant, hein. On voit les cousures de vibranium sous le noir, tout ça. Il est plutôt joli en vrai. Ok, là on voit des coups de griffes, des coups de pied, il fait des acrobaties. Un peu de capoeira. Ah ouais. Il a une sorte de charge. C'est intéressant, c'est intéressant. On va peut-être avoir un vrai tutoriel avec lui et pas encore une chambre d'entraînement à la con. Bref, pour le moment, c'est le roi lion, hein, de toute façon. Il a défié son oncle pour devenir roi, etc. D'ailleurs, le premier film ressemblait aussi au roi lion, un peu, sur bien des aspects.
Ah ouais. Bon, c'était pour essayer, c'était con de ma part, mais ouais. J'aurais dû viser ce mec. Et y'a Batman, le mec! Mais c'est Batman, merde! Avec moi! Il y a un gros marteau. Les ennemis en état de surcharge, certains ennemis pouvant surcharger. Quand cela se produit, ils deviennent plus résistants aux dégâts, pouvant utiliser des attaques spécial seulement disponible en état de surcharge. Affronter un ennemi en état de surcharge avec des équipements adéquats. Combien de fois devrais-je leur donner cette leçon? C'est Black Panther! Vous avez raison, c'est bien. En fait, c'était pas Batman! Tu vis de la merde! Hop là! Lucha libre! C'est plutôt cool, hein? Là, il y a une chouette façon de se bastonner. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai jamais vu le 2 de Black Panther au final. M'intéressait peut-être pas trop. Il aurait mieux fait de recaster l'acteur au lieu de faire n'importe quoi. Quoi. Ah putain! D'accord, vous l'aurez voulu! Ok. Je m'attendais pas à faire apparaître un bagueira géant, mais pourquoi pas? Voilà. C'est vrai que le système de combat est tout à fait simple, hein. On n'a pas besoin d'un gros entraînement. J'ai sécurisé leur campement. Je cherche des renseignements. Devrais-je dire à la princesse Shuri? Elle recevra un compte-rendu de la mission. Ah merde. Voilà. Les plans d'une sorte de canon sonique. Clovis, le bouclier qui protège la ville. Je dois y arriver avant lui. C'était le tunnel qui mène à Birminzana? J'y vais tout de suite. Ok, donc tous ces mecs en violet, c'est les hommes de Clo, hein. Qui est joué par Anthony Serkis, hein, le personnage qui crève la moitié du film. Bah, en fait, en réalité, c'est censé être le pire ennemi de Black Panther, hein, faut savoir. C'est même lui qui a dû bouger son père, normalement, là où dans le MCU, c'est Winter Soldier, c'est le lavage de cerveau, bien sûr. Vous auriez dû venir plus nombreux. Même si là je me fais un peu péter la gueule. Oh putain de merde. Voilà. Putain. Et alors vous permettez? Voilà. J'ai vu que vous rangiez quelques vies par là-bas. Là, ça va mieux. Me revoilà. Attendez, j'arrive.
Merde, on peut pas grimper. Tu vas me foutre la tête. Oh, on peut sortir un couteau, ouais. C'est quoi, on peut les lancer? Ah ouais, il a des couteaux de lancer. Ouais, ils commencent à casser les couilles avec leur système de surcharge, là. Ah oui, c'est fait. Et merde. J'ai envie de dire formidable. Ok, première mission, première défaite. C'est fantastique. Ces envahisseurs détruisent tout ce qu'ils touchent. Ils n'ont aucun respect pour l'histoire, la nature. Nous reconstruirons. Et ils tomberont. Je te le promets. Vous ne passerez pas par là, homme-chat. Vous allez le regretter. Homme-chat, tout de suite. Montrez-lui qui vous êtes. Vous auriez dû venir plus nombreux. Non, franchement, T'Challa, je pense que... C'est suffisant. Je suis à terre. Partez d'ici. Je vais m'occuper de quelques brouillots d'abord. Histoire que la solution soit... On va pas tenir très longtemps. Et ne te relève pas. Capitulez, Panthère. Pour le Wakanda. Aïe! Putain, j'esquive dans son truc. Il reste plus que lui. Entre lui et moi. Je vais me péter la gueule. Voilà. Bien bugué comme il faut, c'est parfait. Et il est encore là? Ok, prends-toi ça, connard. C'est terminé. Je peux te faire parvenir un jet pour survoler le tunnel effondré. Non. Envoie tes forces au bouclier. C'est là qu'iront les hommes de Klo. Je connais un autre chemin. Ah, un chemin dont tu n'as pas révélé l'existence, Dora Milaje? Je t'en parle maintenant. Bien qu'à contre-cœur. Ça va te plaire, Okoye. Je rappelle que les Dora Milaje dans les comics, c'est garde du corps, mais c'est aussi c'est. Et merde, j'ai déclenché une super attaque. Oui, mais pas comme tu le penses. Je n'ai pas eu besoin d'accéder au Jalia. C'est mon oncle qui me l'a montré. Bon, alors, comme je disais. Okoye, le vibranium corrompu s'est propagé jusque dans cette partie de la jungle. Comment peut-il se répandre ici? Je ne sais pas encore. Nous devons le détruire.
sur vous, putain. J'en ai marre. Attaque, Bagheera, attaque. Oui, donc je disais, c'est ses gardes du corps, les gonzesses, là. Et c'est aussi ses femmes potentielles, c'est-à-dire il doit en choisir une, ou en épouser une. Et là où, dans le MCU, ils sont tous là, avec leur crâne rasé et leur truc, là, je peux vous garantir que dans le comics, ils ressembleront pas à ça, c'est ce que je veux dire. Lorsqu'elle est comme ça, la flèche est protégée. Du coup, faut que je les casse avec quoi? Saloperie. Tu vas lâcher l'affaire, oui. Dedans. Non, cela causerait des dégâts irréversibles. Je dois être plus rapide. La corruption voilà. A été détruite et les hommes de Claw maîtrisés. Il est temps de découvrir mon raccourci. Allez, c'est parti. Allons à la Panthère cave. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des éloges de la capitaine d'Edora Milaje. Moi, je sais pas si c'est une notion qui a été gardée dès que ça soit ses gonzesses, en plus de ses femmes, quoi. Et c'est où l'entrée, ce truc? Parce que là, je vois un gouffre. Certes, c'est là-haut, mais... Un coffre. Voyez-vous ça? Hop là. Hop. Ouais. D'accord. Faut que j'ouvre moi-même, c'est ça? La princesse Shuri connaît-elle ce passage secret? Oui. Tous les potentiels Black Panther le connaissent. Je n'ai pas vu cette grotte depuis mes entraînements avec mon oncle. J'ai l'impression d'entrer dans un souvenir. Je me rappelle avoir brisé cette statue en essayant d'entrer. Les explosifs n'étaient pas une bonne idée. Ah ouais, disons, quand t'étais curieux d'un truc, tu faisais pas semblant. Alors que t'aurais pu attendre tes 18 ans quand tu l'aurais montré. Ça servait à rien de faire péter la porte. Hop.
Je fais des mouvements qui n'ont aucun sens. À quoi rime tout ce merdier? Aïe! C'est étrange de revenir ici maintenant que je suis Black Panther. Mon oncle a fait de son mieux pour me préparer à la venue d'hommes tels que Klaue. J'espère ne pas le décevoir. Ok, mon système de sécurité. T'as décidé de me péter la gueule. Ouais, si le patron était... Mais merde, tu es le roi, salope. Putain. Ouais, quand même. Alors... Je me demande ce que mon oncle penserait de tout ça. Il est évident qu'Ulysse Klaue se prend pour un technologue, un canon sonique. C'est peut-être la seule chose capable de venir à bout des boucliers du Wakanda. J'ai sous-estimé sa détermination à obtenir du vibranium. Ah mais j'avance, là je suis dans un métro. Métro vachement bien décoré. Voilà, bah puisqu'on est là, vérifions quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà la bannière. Qu'est-ce que t'as comme bannière? Beaucoup de photos de chiens. Ah voilà. Ça va être très stylé. C'est dans ce cosmix là où on découvre que le Wakanda a un remède contre le cancer, mais de l'offrir à personne au final. Oh, les images sont toutes stylées en vrai. En vrai, celle-là, elle est cool. Elle est simple, elle est cool. De loin, on dirait un peu Batman. Est-ce que t'as comme costume, en fait? Ah ouais. Il y a Capman de DC Comics. Il y a un costume type Fort Boyard. Encore plus Fort Boyard. Ouais, stylé. On est un peu loin du Black Panther. On a bien sûr les tenues du film. Je veux dire, beauf. Ouais, en mode Zorro, quoi. En mode cowboy. Ah, et sous Max, il ressemble à ça, d'accord. Stylé, celle-là aussi. Ok, c'est un peu éloigné du délire. Avec la cape. Là, je suis hésitant. Mon vieux, dégueulasse. Alors, on est dans un délire furie auquel on ne va peut-être pas participer.
Ouais, dans le fond, la tenue que j'ai, elle est très bien. Ouais, la tenue que j'ai, elle est très bien dans le fond. Un peu déçu quand même. Mais j'y pense. Compétences, on a quand même des compétences à voir. Je voudrais améliorer les armes de lancer là parce qu'elles sont pas terribles. On a le boomerang. Voilà, on lançait plusieurs, ça, ce qu'il me faudrait en vrai. Voilà. Lui, Sam. Nom de basse-tête. Qu'est-ce que... Quelqu'un Ce a trou n'a creusé? pas été creusé, mais découpé. Peut-être par une sorte de forêt en métal. Ok, quelqu'un est venu ici. Des araignées. Et robots qui fuyaient. Ce sont donc ces machines qui font des trous dans ma caverne. Les salopes. Voilà, c'est quand même mieux d'en lancer plusieurs, en vrai. Ils sont pleins. Ils peuvent se délire. Attaque Jean-Pierre, attaque! On est cherché une. Cette pièce était utilisée pour les entraînements avec les autres potentiels Black Panther. La voir profanée de la sorte. Nous devons arrêter Claw et ses soldats. Si ce vibranium n'avait pas été raffiné il y a des milliers d'années, il aurait entraîné des mutations chez quiconque s'en serait approché. Bon. C'est dégueulasse à ce point-là, ce matériau. Bashenga voulait que tous les nouveaux Black Panthers se souviennent de la raison pour laquelle il a obtenu ce titre. Il y a 10 000 ans, les tribus du Wakanda étaient en guerre. Ok, tu nous fais la visite guidée. La météorite devint la montagne de vibranium qui surplombe la cité d'or. Enfant du soleil. Au cœur de cette montagne poussa une plante en forme de cœur, un cadeau de basse-tête.
Esteban, Mia, Lara, Estela. Et voilà. Mais encore. Tire dans les mouches, quoi. J'ai oublié certains des symboles anciens. D'accord. Prends pas comme ça. Je dois recommencer. Ok, on a celui-là. Celui-là. La météorite qui transportait le vibranium s'écrasa sur Terre. Celui-là. Et celui-là qui ressemble un peu à un poisson. Ok, d'accord. Alors. Celui-là. Merde, alors. Vraiment, ça va pas. Résolvez l'énigme en utilisant le symbole du couloir. Celui-là d'abord, je dirais. Celui-là après. Celui-là ensuite. Celui-là en dernier, d'accord. C'est bon? C'est bon là, je suis clean? Et merde. Celui-là. Le rond. Celui-là. Et le poisson. Ok, la grille, le rond et le poisson, c'est parti. Le rond, le poisson. Merde. Mais non, les zigzags, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque une grille ou plutôt une croix. Ok, d'accord. La croix, le rond, avec la barre au milieu, le M, le poisson. Le rond. Ensuite. Le zigzag, parfait. Le poisson, et voilà. Bashenga mangea la plante en forme de cœur. Et basta. Oh, stylé. Le son du retour est un peu fort, désolé. Oh, je suis sorti. Je viens d'arriver en Australie. Les Avengers, que font des étrangers dans l'espace aérien du Wakanda? Je les ai laissés entrer. Les hommes de Klo ont atteint les limites de la ville. Et tu n'étais pas là. Je m'occuperai des Avengers plus tard. D'abord, je dois neutraliser le canon sonique de Klo.
Okoye, demande aux Dora Milaje et aux Avengers d'occuper les hommes de Klo. Détourne leur attention de la falaise. Pas de problème. Mais si ce bouclier... Bah quoi, alors finalement tu veux bien bled, connard. Arrêtez-le ! Dois pas atteindre le canon ! Je m'en occupe, Shuri. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant de traverser le bouclier. Je dois faire vite. Hop là. Petit finish. Hop. Et au revoir. Salut. Il a fait ça. Voilà, lui c'est fait. Ensuite... Heureusement, il n'y a pas de timer. Oui, c'est fait. À toi, ma grosse. Là. Je le recharge, charge ce connard. Voilà. Non, le salaud. Et voilà. Hop là, hop, oh là. Bon, en tout cas, il a un sacré déplacement. Allez, à nous deux. Bon, comment je vais faire? Eh bien, Klo, n'exagérez pas. Crossbone, ça alors. Salut la panthère. Ouais, vous êtes le mec qui s'est fait défoncer par Captain America dans un ascenseur dans Fast Avengers, quoi. Le grand jeu pour le roi chat. Quel étrange choix pour vos derniers mots, Crossbones. Normalement, c'est un mec qui se bat au coup de poing américain, là ils ont décidé de lui donner une mitraillette. Allez, attaque Jean-Pierre, attaque. J'ai qu'un seul à la fois. Votre canon n'est plus protégé. Continuez comme ça, c'est vraiment drôle. Il protège le canon.
Allez, prends-toi ça. Je dirais bien que ça ne passe pas. Ça suffit. À vos ordres. Bon, ça et ça et ça et ça. Hop là. En vrai, c'est stylé, hein. Ah, c'est juste con qu'ils lui ont donné un fusil au lieu de un américain habituel. Je sais encaisser les coups, roi chat. Ou les escalier. À mon avis, il sait beaucoup les encaisser, rarement les donner. Là. Hop. Hop. Regarde là, juste. Vous ne m'aurez pas si facilement. Ce n'est pas pour vous que je suis là. Ok, là, activez le bouclier de son fameux merde. Salut. Passons à la vitesse supérieure. Hop. Une peine à me donner une niche, hein, salaud. Vite. Je peux pas vous laisser faire ça. Ah, salaud. Ah, il a repris des vies en plus. Vite. Ah merde. Ah, ça a marché tout de même. Le canon est neutralisé. Allez, maintenant annulé. Espèce de lâche. À la prochaine. Recoyer. Ouais, il est comme dans Winter Soldier, il se prend une dérouillée et puis il fait l'homme pendant tout le reste du film. Ça n'a tellement pas de sens. Ah bon, d'accord. Il y a un mec en dessin animé qui nous balade, les gars. Les mains en on est là pour voir le roi T'Challa. Bien. Parce qu'il souhaite aussi vous voir. Ouais, en plus, mes mains ont été oubliées d'être dessinées à un moment donné. Oh, en fait, c'était génial. Il y a un perso de Roger Rabbit au milieu de tout ça, quoi. Alors, c'est quand tu veux. Alors, je vais peut-être en profiter pour vérifier le son. Je suis en live, hein. Oui, merci. Alors, de quoi ça a l'air ?